redouter un peu cet opportunisme, mon cher ami, je voudrais cette hypocrisie. C'est que je trouve une situation où il y a très peu de choses qui ne sont pas tout à fait corrompues. Alors, par quoi commencer? Je pense que sur le plan national, il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent inévitables. C'est la mort dans l'âme que je le fais, mais je le ferai. Mais je militerai sur le plan international pour une convention internationale de lutte contre la corruption dans le monde. C'est un fléau absolument terrible et qui ne permettra jamais aux pays du tiers-monde de décoller si cette situation devait continuer. Est-ce que vous avez bien entendu cette prétention de quelqu'un qui est un corrompu, ou du moins qui a laissé le pays tomber dans la corruption totale? Non seulement il est atteint d'une folie des grandeurs, mais il est à contrario de ce qu'il fait.